Les amis, on continue l'aventure sur la School RP les gars. Aujourd'hui, l'objectif ça va être simple, ça va être devenir charismatique. La dernière fois, je me suis fait menacer, ça peut pas continuer comme ça. Les amis, le jour où vous voyez cette vidéo, donc lundi, il y a encore un live sur la School RP ce soir. Donc n'hésitez pas les amis, à 20h30, ça se passe sur mon Twitch, twitch.tv/michou, parce que maintenant vous le savez sûrement, mais je live sur Twitch. Donc je compte sur vous pour être là ce soir et ça régale. Mec, qu'est-ce que tu fous dans mon lit? Quoi? Qu'est-ce que tu fous dans mon lit? Attends, excuse-moi, je crois que je suis somnambule. Ouais, t'as dormi sous mon lit? Non, en fait, je viens d'arriver. Je viens de... Tu m'as volé une petite culotte? Quoi? Mais jamais de la vie! Non, je suis pas comme ça! Non! T'es où? Quoi? T'es sous ma couette? Vérifie tes culottes, tout ce que tu veux, j'ai rien volé moi. Mais attends, mais c'est vraiment ta chambre? Non, mais c'est ma chambre là. Non, c'est ma chambre. Bah alors, franchement, c'est vraiment un malentendu. Je sais pas ce que je fais là, je suis désolé, je repars. Oh, vous avez bien dormi les gars? Ça va nickel. Eh les gars, si vous entendez des dingueries sur moi ou quoi, c'est pas vrai, sachez juste que je suis somnambule. Comment ça, t'as fait quoi cette nuit? Il était dans les je me suis non en fait je non mais je me suis en fait je me suis réveillé dans le lit d'une meuf mais j'ai pas. Non mais je suis somnambule. Tu t'es réveillé? Mais oui. C'est qui la meuf? C'est qui la meuf? Bobby, elle était super sympa et en gros j'ai un problème et il est venu m'aider en fait. Mais il y a un gros problème. Il t'a soulevé comme il fallait. Non, je suis allé l'aider. Je suis fier de toi, Bobby. T'inquiète pas, mais je suis juste allé l'aider après, les gars. Y'a rien. Les gars, il avait le croque-mitaine sous mon lit et tout. Et genre, du coup, il est venu, il l'a combattu. Exactement. Les gars, ça y est, je suis devenu un homme. Maintenant, je me bats. Tu crois que j'aurais pas dû dire? Non, faut qu'on se mette d'accord sur une version. Attends, tu veux qu'on dise quoi? Parce que le croque-mitaine, je crois que ça passe pas trop. Je veux bien le croire. C'était le jardinier qui couchait avec ma mère, mais j'en étais pas sûr. Non. Amine, il y a encore un malentendu là. Non. Eh, tu t'appelles comment? Nova. Bah, je m'appelle Bobby du coup. En vrai, moi, l'histoire du croque-mitaine, je t'avoue, j'ai peur que personne n'y croit. Ok, je sais, on était une soirée hier. Et à la fin, j'étais complètement bourré et dégéré et quelqu'un avait mis un truc dans mon verre. Ok, et du coup, moi, je suis venu te protéger, genre? Ouais, c'est ça, comme ça, du coup, tu passes pour un beau gosse et il n'y a pas d'histoire bizarre. Ok, j'aime bien cette version. Vas-y, serre-moi la main. Elle m'arrange, on fait comme ça. Bam. Bonsoir. Oh, elle est down, notre check. Nova, t'as un mec? Quoi? Bon bah, trop cool. Quelqu'un qui veut me manger. Je vais aller vérifier ça. Attention, je vais aller vérifier. Hein. Ouais, y'a. T'as des petits chiens, dis-moi. Tu sais qui est? C'est la meuf qui est assise là-bas avec Jordan avec le bandeau. Ah, elle te kiffe? Ganesh, il nous appelle, il faut se réunir. Il faut se réunir. Mais je sais pas ce que ça veut dire. T'as quoi? T'as Schnexer? Ma Schnexer, ouais, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah, bah, t'inquiète, fais pas attention, ça veut pas dire grand chose. C'est Schnexer, c'est une plante. Salut Dava, salut. Ah, bah donc du coup. Ah, c'est une plante. Ouais, c'est une plante. Comment ça? Mais tu crois que tu vas la protéger, man? Écoute-moi, moi je me suis réveillé dans le lit de Nova, pas toi. Pour confondre vos rêves avec la famille. Je l'ai aidé. Je me suis mis dans une embrouille. Je crois que j'ai commencé à kiffer une meuf qu'il fallait pas. Wesh. Quoi coubé? Ouais, mets d'autres vidéos, s'il te plaît. Mais lui, il était dans le mur des photos. Ah non, les bâtards. Ah les gars, je l'adore cette vidéo. Il a pété le mur. Attendez les gars, je voulais aller voir mon cookie, je voulais aller voir Nova. Elle a disparu. Attends, je le connais pas lui. Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, mais t'étais là hier? Non, je suis tout nouveau moi. Tu t'appelles comment? Ouais. Je m'appelle Wyatt, je peux te dire quelque chose? Ouais. Tu vois le mec là avec l'ensemble rose? Ouais. Bah lui, il m'a menacé dans les couloirs tout à l'heure. Lui, en fait, je t'explique. J'ai l'impression qu'il harcèle du monde dans l'école. T'es pas le seul dans ce cas-là. Avec le temps, on va lui régler son compte, je pense. Ok, je te fais confiance. Vas-y, frérot. Vas-y. Petit check et... Voilà, okay. Ça, c'est le check de l'amitié. C'est le check de l'amitié, ouais. Oh là, bizarre le check. Je m'attendais pas à ce check là. Mais du coup, c'est mon gars, c'est bon. Le nouveau, ça va être mon gars. Bonjour. Bonsoir. Faites-moi des Borans, s'il vous plaît. Hein. Des Borans, la classe qui aura le meilleur. Les gars, notre classe. Directement. J'espère que je serai dans ta classe, mon cookie. Arrête. Oh les gars, je suis classe 2. En vrai, ça va. En vrai, classe 2, il y a Francis avec qui je m'entends bien dans le RP. Il y a Romuald. Bon, Romuald, je m'entends pas méga bien avec lui, mais on sait que c'est Inox, donc en vrai, je vais rigoler. Bobby, t'es bon. Il est bon en classe 2, non? Frérot, le boulot que je vais te faire, t'es pas prêt, toi? Silence.
Venez vous ici là. Oui. Comment vous appelez? Bobby. Bobby, très bien. Moins un point pour votre classe. Sachez qu'il y a un classement au niveau des classes. Quoi? J'allais dire. Les, les classes. Et vous venez de faire perdre deux points votre classe d'ailleurs. Tiens, comment ça deux points? Mais vous avez pété un peu. Du cul. Bobby, calme-toi. Mais il a pété les plombs. Mais t'es con quoi? C'est notre classe qui a perdu deux points. Je vais poser faire un interrogatoire très simple pour voir. Moi, il arrive comme un gangster, le directeur. Moi, je vais arriver aujourd'hui. Ouais, y'a un flic avec une matraque. Ils ont quelque chose de très important à vous dire. Vous allez me suivre dans l'amphithéâtre en silence. J'ai une nouvelle assez lourde, d'accord. Donc je vais demander de votre attention. Attends, c'est une dinguerie. Nous avons la femme de madame, de monsieur Wilson, Kenneth, votre professeur de mécanique, d'accord, qui l'a signalé disparu. Et nous sommes ici pour une enquête policière, donc quelque chose de très sérieux. Vous pouvez être convoqué par les forces de l'ordre dans la salle du bureau des surveillances, si cela vous convient, monsieur le commissaire. Oui, ça me convient. Voilà, d'accord, donc, comme il l'a dit, ici, tout le monde est suspect. Là, on y va, les gars, on y va. Wesh, ils lui ont mis les menottes. Cartez-vous, monsieur, cartez-vous. Oh, ils l'ont arrêté. De toute façon, je les mets pas surveillant. Après, c'est peut-être pas lui, quand même, ça se fait pas. On regarde bien à gauche, on regarde mais attendez, bien à mais... droite et on traverse. On va faire les cours où, monsieur? Eh bien, nous allons dans la résidence des professeurs. Vous avez beaucoup de chance. Peu d'élèves ont la chance de venir ici. Ah bah, incroyable. C'est ici qu'elle dort, madame la prof d'art plastique. Oui, en effet. Je te parle. Il y a des gros godes dans son tiroir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous dormiez, bordel de cul, qu'est-ce que c'est vachement beau. Alors, pour votre premier cours, j'ai envie de savoir qui a du potentiel. Moi. Eh bien, pour savoir si vous avez du potentiel, on va vous tester. Alors, nous allons faire un dîner de famille. Ce soir. Qui veut faire le père de famille? Moi. Oh non. C'est peut-être pas une bonne idée. Oh non. Ah bah justement. Après, ça lui va bien, ça lui va bien, ça lui va bien. Oui. De poterie. Porno, relève-toi, porno. De porno. Professeur, je suis pas sûr, mais je crois qu'il regarde sous la jupe de Léon. Porno, tu regardes sous la jupe? Monsieur Porno, levez-vous, voyons. Ah, t'as vu? Alors, c'est comment? C'est français. Autoritaire, c'est comme l'autoroute. Bobby joue le père de famille. Oui. Romuald joue sa femme malheureuse en mariage. Léona, vous jouez la mère de Romuald et vous détestez votre beau-fils. Donc vous détestez Bobby. Ok, je déteste Bobby. Très bien. Ah mais oui, putain. Emily, c'est compliqué. Vous jouez l'invité surprise qui a été invité par monsieur Bobby et il s'avère que vous êtes sa secrétaire et on vous soupçonne d'être sa maîtresse. Oh, sacrée histoire. Ça te va bien, ça te va bien. Ah ouais, vous en faites pas. Voilà. Pourquoi ça lui va hein? Alors, Bobby Junior, oui. Vous allez jouer le grand frère de la famille. Va? Ok, ça me va. Vous êtes le fils de Bobby et de Romuald. Et vous êtes le petit-fils de Léona. Vous, Bobby, un moment, vous allez devoir annoncer que vous avez été renvoyé de l'école. Ok. T'as fait pipi ou caca, du coup? J'ai fait pipi. Moi, quand je fais pipi... Tu veux des détails? Quand je fais pipi assis, ça me donne envie de faire caca, moi. Ah ouais? Quand je fais pipi et que je m'assois, ça me pousse au cul. Ah, moi, quand je fume un putain de joint, j'ai grave envie de chier après. Ah ouais, peut-être. Un joint, mais faut pas fumer ces choses-là, c'est pas bien. Mais c'est pas une classe de starbé. Les filles, vous avez des belles jambes, elles ouvrent à quelle heure? Hey, t'es vraiment drôle, tonton. Parce que j'y garais bien ma 206. Wow. Des 106 couvrir cabriolet, les gars. Hey, tonton, faut que tu m'apprennes avec les filles. Ok, mais pas de soucis, je t'apprendrai. J'ai tout prévu pour tous les invités. Installez-vous à la place que vous voulez. D'accord. Vous goûtez le gigot et vous rendez compte qu'il est infâme. Bon app. Bah alors, vous en pensez quoi pour le gigot? J'espère que ta chatte, elle a pas le même goût. Mais la qualité. Mais tonton, tu sais que c'est ta sœur? Non. Mais non. C'est la secrétaire. Moi, je suis la secrétaire. Du coup, je peux lui bouffer la chatte. Les gars, je peux pas assister à ça là, c'est trop là. Mais les gars, il faut que je dise que je suis viré, mais attends, je sais pas comment le dire là. Écoute-moi bien, Émilie. Oh non, je l'ai appelée Émilie. Mais papa, tu vas casser la table avec ton gros cul. Non, maman, calme-toi. Calme-toi, c'est rien. Et j'ai aussi un truc à vous annoncer pendant qu'on y est. J'ai été viré de l'école. Maintenant.
Ah, Bobby, tu me fais virer de l'école. Je me suis viré. J'ai une famille de merde. J'ai perdu tout l'argent que tu m'as donné, j'ai plus rien. On a plus rien. On est vidé. Mais c'est les règlements de compte là. Comment ça, vous avez plus rien? On a plus d'argent, on a plus rien. Émilie, attends, je vais t'expliquer. Vous avez plus rien? Non, excusez-moi. C'était dégueulasse. Merci pour la nourriture. Ça devient n'importe quoi. Ça s'appelle pas surtout patron, hein. Non, là, c'est n'importe quoi. Ah, vous avez bien aimé, monsieur? Oh, c'est terminé. On a réussi. C'était merveilleux. Il y avait tellement d'émotions, tellement de haine. T'as envie de faire la vidange? Mais j'ai les preuves. Qui, moi? Vraiment, ce n'est pas la vie du professeur de théâtre. J'étais en dessous. Ah oui, oui, oui. Il y avait. Comment ça? Il manquait cette étincelle. Oh non. Cette étincelle. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez? Je peux essayer de me rattraper là, sinon. Oui. Vous allez faire une chanson. Quoi? Une chanson. Si vous êtes capable de vous mettre dans le cœur d'un artiste. Mais wesh, non mais les gars, je suis trop la victime. Je suis trop la victime, gros. Tout le temps, je me fais bolos. C'est la récré. J'ai fait le ménage, j'ai voulu me virer là, dès le début. Eh, faut qu'on se mange parce que t'as pris pour eux. Eh, Clitus, j'ai pris pour eux. Attends, t'es dans des histoires là? Ouais, des histoires sombres. C'est quoi? C'est quoi les bails? Toi, les rouges. Ils ont volé les voitures de police et ils ont mis toute la faute sur Kefta juste parce qu'il est arabe. Et moi, comme je suis plus raciste grâce à toi, bah je vais défendre l'arabe. Non, t'as jamais été raciste, Clitus. Non, j'ai jamais été raciste. Ouais. Si, il a été raciste quand même, un tout petit peu. Ouais, mais j'ai changé. Un tout petit peu. Ouais, vite fait. Ça va, Nova? Ouais, toi, Bobby? Ouais, ça va, ça va. Juste 2 minutes, je suis tout à toi après. Ah, t'es tout à moi? Enfin, ouais, c'est une expression. Ok, pas de soucis, vas-y, bah je t'attends. Vas-y, à tout de suite. Attends, mais Nova, elle cache quelque chose. Après, je sais pas si je peux vraiment te faire confiance encore, tu vois. Pourquoi? Non, mais t'inquiète, tu peux me faire confiance. Hier, j'étais à la cantine, ok? Et on est d'accord qu'on a mangé du porridge. On a rien, on n'a pas mangé de viande ou quoi que ce soit. Ouais, moi j'avais, ouais, c'est ça. Ok, et bah sache que le cuisinier, j'ai regardé ses bottes, il avait les bottes ensanglantées. Ah oui, mais... Je dis ensanglantées. Toi aussi t'as vu? Mais tu sais que je l'ai vu. Et bah, tu trouves pas ça super bizarre alors qu'on a mangé des légumes? Bah, en fait... Moi, j'avais pas remarqué au début, et c'est Hamid qui a vu ça et qui m'a montré. Et lui, il m'a dit qu'il se passait des, il y avait du trafic d'élèves dans l'école. Attends, mais c'est pas pire, ok? Hier soir, bon, j'ai entendu une discussion entre le directeur et le surveillant, enfin pas le surveillant, celui qui fait le ménage. Et hier soir, le directeur était déjà au courant de la disparition du prof. Quoi? Oui, parce que il lui a dit le prof a disparu. Il faut que t'ailles nettoyer mon bureau. Ah non, mais je là, te c'est... jure sur tout ce que j'ai pu faire au monde. Mais là, c'est 100% le directeur qui est dans le coup, hein. Ok. Ouais, c'est comment vous allez niquer les deux ou quoi? Quoi? Mais non, comment ça, on va niquer? Bon, ouais, les gars, désolé. Après, moi, je dis pas non, mais. Enfin. Nova, t'as un coup, t'as eu? Tu me disais que personne voulait te charron. Ouais. Quoi? T'as dit ça, Nova? Ouais. Ok. Bon, ah, du coup, parlez de quoi? Je pour dire, mais vous deux, vous êtes vraiment mignons ensemble. Ah, tu trouves? Ouais, vraiment. Au niveau de la beauté, déjà, vous êtes. Magnifique tous les deux. Ah, donc, ça c'est vrai, Nova elle est magnifique. Et pourquoi toi pas s'emboîter comme dans Tetris? Ah, tu me trouves beau? Ouais. Bah, je vais vous laisser là, les enfants, hein. Eh, monsieur, je suis grand. Je suis grand, monsieur. Allez, les autres, vous allez manger. Tout le monde va manger. Yes. On a des yes. Let's go la cantine. Bon appétit, les suceurs. C'est toi le gros suceur. Suceur de chibre. C'est pas suceur. Ouais, t'es un gros suceur. Elle a changé de botte, la cantinière. Les gars, la cantinière, elle a changé de botte. Et le jour où vous interview, dites Ganesh. C'est Ganesh. Le poulet, la tête sur le sol. De toute façon, on a tous dit Ganesh. Ganesh, c'est un flic? Non, c'est surveillant. Celui qui veut niquer ma mère. Non, vous êtes en train de le couler, le pauvre. Ok, on dit Ganesh, ok. J'espère qu'il aura pas une grosse ganache. C'est quoi une ganache? Pourquoi ils se sont retournés? J'ai pas compris. Eh, Bobby. Ouais. Eh, Hamid. Eh, mets-toi près de moi. Ouais. Ah, mais il est dégueulasse, lui. Oh, j'ai faim, là. Bobby. Oh, j'ai faim. Dire, tu vas avoir de gros problèmes parce que t'es dans la version de plein de gens. J'ai faim. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? T'es dans la merde, je te jure. Mais comment ça, je suis dans la merde? Je suis dans quelle version? Mais qui m'a Poucave? Mais Poucave de quoi? Il y a eu dans des histoires de fou là. Amine, ouais, ça va ou quoi? Je peux te parler là, de trois trucs? Vas-y, Bobby, vas-y, aucun souci, vas-y. Toi, je te fais confiance, t'as vu, je sais qu'il s'est passé des dingueries, t'as des antécédents et tout. Bobby, mais là, tu peux me faire confiance. Aujourd'hui, je t'ai pris sous mon joug. C'est-à-dire que je surveille tout ce que tu fais.
T'as intérêt d'être un mec carré, t'es un mec droit. Ah déjà, ça franchement, ça me fait plaisir. Ou pas ouais, tu nous déranges. Il allait me la hesse, ouais. Quoi? Ah ouais, merde. C'est quoi la hesse? Merde. La hesse, la hesse, ouais. La hesse. Vas-y, je vous laisse vous couper pour moi. J'avais un truc à dire, on m'a dit. Mais j'allais pas. J'allais pas là. Dis-moi Bobby, dis-moi ouais, Bobby. Ouais, en fait, t'as vu, moi, je te fais confiance en vrai. Je pense que là, il se passe vraiment un truc super grave dans cette école. Et j'ai des infos, je voulais savoir si t'avais des trucs, toi. J'ai des infos, mais viens, on se les dit au dortoir, parce que là, je peux pas les dire devant tout le monde, je suis surveillé, en fait. Je me suis fait interroger par les keufs. Vas-y, je comprends, vas-y, à tout. Et je te surveille. T'inquiète, mais tu sais que je suis un mec carré, hein. Eh, je vais enquêter dans mon coin, je vais pas trop parler. En vrai, je fais quand même confiance à Amine, mais je sais pas. Vous prenez, monsieur Amine The Bio. Monsieur Sourdoug, et nous on prend Bobby Junior et Mouloud Kefta, c'est bon pour vous. Là, je vais aller au les deux là. De quoi il s'est Bobby? Frérot, j'en ai aucune idée. Moi, depuis le début, on m'accuse à tort dans cette école. Bon, alors, vous allez vous asseoir du côté gauche, j'ai compris. Oui, oui. Le côté gauche, monsieur Bobby. Excusez-moi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est. Vous m'avez l'air d'avoir une grosse gueule, vous, monsieur Mouloud Kefta. Non, pas du tout. Ah oui, vous êtes très insupportable en tout cas. Je sais que je vais devoir prendre un petit dafalgan après. J'ai encore rien fait. Fermez-la. Ok, chef. Et monsieur, bon, on est d'accord, c'est juste un interrogatoire classique. On n'est pas suspect. C'est un interrogatoire où vous paraissez suspect. Alors, je vous explique. Okay. Nous sommes la police, messieurs, dames, d'accord. Vous l'avez remarqué quand même. Ouvrez les yeux. Nous avons interrogé plusieurs de vos collègues, d'accord. Et votre nom à vous deux est ressorti multiples fois. C'est-à-dire que monsieur Bobby Junior, votre nom est ressorti sur 4 interrogatoires 4 fois. Quoi? Mais et monsieur Mouloud Kefta, votre nom est ressorti 2 fois. Hein? Mais attends, oui, étonné, d'accord. Mais bien évidemment qu'on fait des étonnés avec Bobby, vous croyez on va perdre, on va dire oui, ça fait plaisir. En suspect, ne dirait jamais ça, parce que ça deviendrait coupable. Notez, monsieur le jury, monsieur Mouloud Kefta est très bizarre. Bon, alors, monsieur Bobby Junior, on va commencer par vous, ouais. D'accord. Où étiez-vous hier soir à 1h du matin? Alors, hier soir à 1h du matin, pour être 100% honnête, j'étais pas dans ma chambre, c'est vrai, mais je rôdais dans l'école et je découvrais l'endroit où il y a les dortoirs. Je découvrais qu'à l'étage, il y avait une salle de jeu avec un billard, etc. Et c'est tout ce que j'ai fait vraiment de toute la soirée. Je peux même vous dire que j'étais pas le seul. On essayait au début de sortir du dortoir, sauf que c'était fermé à clé. Voilà, moi, c'est tout ce que je sais. Après, je suis allé me coucher et je peux pas être plus honnête que ça. Où étiez-vous les 30 minutes Bobby, dites-moi. Non, mais après je suis allé me coucher. Vous êtes allé vous toucher? Non, me coucher. Non, il y a un malentendu, je suis allé me coucher. Vous avez couché hier soir? Mais monsieur Bobby. Non, nous n'avons je suis allé au lit quoi. Truc, monsieur Bobby. Alors, si je peux être 100% honnête, c'est vrai que je me suis réveillé dans le lit d'une fille, mais on n'a pas couché ensemble en fait, c'est juste que je suis somnambule et je me suis réveillé dans son lit. Quel est son nom? Attendez, somnambule, t'as peut-être pris un couteau, t'as tué. Après, je veux pas. Non. Vous n'êtes pas bête, monsieur Mouloud Kefta. Montrez-moi vos mains, monsieur Bobby. Non, je peux vous montrer mes mains, Mais de toute façon. Attention! Ah, pardon. C'est pas trop vite, quand pardon. Même. Pardon. Alors. Quel est le nom de cette jeune femme? Oui, voilà. Alors, c'était Nova. Nova, oui. Monsieur, madame Nova McBurger. Oui. C'est voilà. Ça, Nova McBurger. Mais pourtant, madame McBurger affirme à 1h du matin être partie avec ses copines. Pour faire un tour de l'école. Il n'y a rien à voir avec l'histoire, effectivement. Rien à voir avec l'histoire, monsieur Bobby, dites-moi. Je l'ai eu juste avant. Essayez-vous de vous mentir vous-même. Non, monsieur, j'aurais c'est jamais fait ça. Je suis pas quelqu'un de violent. Oui. Bobby, je peux te poser une question. Est-ce que, dû à ta somnolence, t'as un dossier qui a été mis par rapport à l'école? Est-ce que l'école, elle est au courant que t'es somnambule le soir, des fois? Non, bah, en fait, j'ai... Non, j'en ai... Mais, s'il vous plaît, silence. Vous êtes un de nos collègues, monsieur Mouloud. Voilà, cher. Mais par contre, c'est la raison. Est-ce que l'école est au courant de votre somnambulisme, monsieur Bobby? Alors, pour être 100% honnête, non, l'école n'est pas au courant. Franchement, ça devient de la diffamation, ce que j'entends. J'ai résolu l'enquête. Non, vous n'avez rien résolu du tout parce que vous m'avez pas écouté. Il a fait une crise de somnambulisme jusqu'à monsieur Wilson. Oui. Il a couché avec monsieur Wilson et ensuite l'a tué.
Quoi? Il vient d'où lui? Hey bah attends, pourquoi il y a un Power Ranger? Mais il fait quoi lui? Je suis tombé du ciel, désolé. Donc tu retournes à la bibliothèque, lire un livre et t'instruire, d'accord, espèce de connard? Allez, dégage, enculé. Bien dit, monsieur. Ah, monsieur Bobby. Il est bien moche. Vous venez de dire dégage, enculé? Non, pardon, non, pardon. Monsieur, désolé. Je vais partir. Juste, vous pouvez voir que des fois, quand Bobby s'énerve, il peut être très très violent, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, c'est vrai. Vous avez... Merci beaucoup. Vous avez comment? Écoutez, excusez-moi, mais à part si tout le monde invente des trucs contre vous parce que vous êtes une victime. Je ne vois pas trop le sens. Vous imaginez quand même bien qu'une personne est descendue du ciel, là, à de l'étage, oh pour amener une preuve contre vous. Monsieur, je crois que le ciel me tombe sur la tête. Je peux même vous dire que quand j'étais en train de m'endormir, j'étais pas encore en train de dormir, j'étais juste allongé dans mon lit. Il y a Clétus qui est rentré dans ma chambre et je crois qu'il voulait me parler. Il a cru que je dormais, il est reparti. Il pourra affirmer que c'est vrai. Clétus, monsieur. Non, Joey, notez Clétus, d'accord. Clétus, ça a voulu lui parler, j'ai noté. Monsieur Mouloud. Oui, bonjour, c'est moi. Sandrine. Un bon arabe. Oui. Vous savez, ma grand-mère est arabe. J'en ai rien à foutre de votre grand-mère. Pardon, elle est morte, espèce de connard. Oh, oh non. Oh non. J'ai dû... Marie. Non, là, Mouloud, t'as dépassé les bornes. Elle est morte de quoi? Elle est morte de quoi? Avec du couscous. Pardon, ça vous fait rire? Espèce d'abruti. Monsieur, monsieur, je crois qu'il se moque de vous. Je crois que la... Monsieur, la mort le fait rire. Fermez les yeux, Bobby, fermez les yeux. Il rigole, je ferme les yeux. Excusez-moi, je ferme les yeux. Oh, putain. Je peux réouvrir les yeux? Oui, réouvre les yeux, Bobby. Ah, ouvre qu'un œil. Oh, waouh. Ah, ouais, il a trébuché. Ah, il a trébuché. Ah, parce que je l'entendais crier et tout. Il a tenté de m'agresser. C'est fini l'interrogatoire. Attendez, il faut pas taper les élèves quand même. Oui, oui. Non, je crois qu'il a juste. Il a pas trébuché. Je m'en vais. Ok, je m'en vais. Désolé. Ouais, j'étais un frère, violence policière là. La tête d'homme, je vais lui faire du chantage. Ouais, mais non. Si je fais du chantage, il va m'enculer. Si je fais du chantage, ça veut dire quoi? Je dis, maintenant tu m'enlèves de la liste des suspects ou je t'accuse. Mais le problème, c'est que ça me fait passer pour un suspect. On va donc vous remettre les téléphones avec une application qu'on a développée tout récemment qui vous permet de communiquer avec vos camarades de classe. Attends, on a des téléphones. C'est ça, Nova? Oui, c'est bon, pas de soucis. Ah, Nova a un téléphone. J'espère que j'ai un téléphone, les gars. Retardataire, c'est à chaque fois dans les rangs, en train de faire la fanfaronne, donc c'est hors de question. Vous, c'est même pas la peine d'y penser. Vous, il n'y aura pas de soucis, nous en aurez un. Merci beaucoup. On n'a pas de téléphone. Vous, alors vous, quand même, vous n'en aurez pas aujourd'hui, vous n'en aurez pas demain, et vous n'en aurez pas jusqu'à la fin de l'année. Let's go. Comment on l'utilise? Oh, j'ai mon numéro. C'est W pour utiliser le tel. Oh, je vais aller voir Nova. C'est quoi ton numéro? Comme ça, on pourra s'envoyer des messages ce soir. Ouais. Vas-y, je te donne mon num. C'est 555-439-84. C'est bon. Est-ce que je peux parler de ce qu'on s'est dit là à la police? Parce que je crois que je vais être dans des ennuis. On m'a accusé à tort. Oui, bien sûr. Ils m'ont dit qu'ils ont retrouvé le bras découpé de notre professeur. Hein? Ils l'ont retrouvé où? Sûrement dans l'école du cul. Mais attends, mais ça donc... Ça expliquerait pourquoi le concierge m'a dit de pas rester seul et surtout qu'il avait vu quelque chose de choquant et encore pire qu'un corps. Eh vas-y. Oh, Bobby, ça va, moi? Ah, t'es vrai. Ouais, ça va. Eh, Bobby, t'as l'air de partir en couille de fou, toi, dans ta tête. Comment ça, je pars en couille? Je sais pas, tu peux te battre avec tout le monde et tout, là, tu fais gros cowboy. Eh, allez, viens, un contre un, maintenant. Vas-y, ça, bah, fume-moi, j'attends que ça. Vas-y, ouais, fume-moi, bâtard, fume-moi, sale bâtard, vas-y. Wesh. Eh, t'as pété les plombs. Alors arrête. Eh, j'interviens, Bobby ou pas? Non, c'est bon, t'inquiète. Quoi, maintenant, t'arrêtes tes conneries, t'as vu, tranquille. Vas-y, Bobby, c'est bon. Je prends de coups dans la gueule. Je vais se battre, le bâtard. Jamais mettre la première, ouais, c'est vrai. Non, faut que je me réveille, monsieur. Eh, vous voulez que j'aille? Je vais. Non, mais je peux pas l'attaquer dans le dos comme ça, ça se fait pas. Mais si, ça se fait. Oh, c'est un bagarre, y'a pas de. Eh, vous avez raison. Voilà. Il t'arrive quoi maintenant? Tu vas faire quoi maintenant? Oh, touche pas Clétus là. Vous avez cru j'étais où là? Oh, c'est quoi ce bordel là? Eh, va te faire foutre. Va te faire foutre. Lent là, toi. Tu vis ta vie. Stop.
Stop. Eh hey, madame, vous avez bien vu, j'ai rien fait. J'ai rien fait, il veut que m'agresser. Dépêche-toi. Bobby, on va t'attraper. Qui, moi? Viens là. Mais c'est lui, il veut m'agresser. Madame la surveillante, il a frappé mon ami dans le dos. Je suis témoin. Mais tu peux l'assurer? Eh, il m'a envoyé une mandale avant. Kayla, c'est pas vrai. Eh, j'ai rien fait du tout. Eh, on était en train de se battre dans les règles de l'art, c'est tout ce qui s'est passé. Non, c'est faux. Pas ramasser ton carnet. Pourquoi tu l'as acheté par terre? Écoute, Bobby, ça fait pas. On s'est pas parlé tant de fois que ça. Moi, j'ai envie d'avoir confiance en toi. Donc là, je te laisse le bénéfice du doute. Par contre, j'ai pas envie de te reprendre dans des histoires. Toi, tu vas là-bas, toi. Non, tu menaces pas. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, vas-y, je parle tranquille, là, t'as vu? Ok. Là, juste parle tranquille, vas-y. Ok. Eh, hey, Bobby, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu fais ça, mon rap. Eh, frérot, t'as rien fait pour moi. Là. J'ai rien fait pour toi, t'étais en train de chialer sur le ponton comme ça. Quand tes deux potes, ils commençaient à menacer, t'étais bien content, t'étais dans leur camp. Eh, frérot, ils me cassent les couilles, les autres. Tiens, mais les gars, la violence, c'est de retourner. Vas-y, Bobby. Tu veux que j'en éclate un? Ben oui, il y a Jordan. Vas-y. Oh, Jordan, touche pas Francis. Allez, hop. Aïe. Aziz, eh, j'avais une histoire personnelle avec Jojo. Ok, mais tu le touches pas comme ça, tu le mets dans les règles de l'art. Tu le prends et tu le mets de côté. Tu parles de règles de l'art maintenant. Eh, Glitus, ferme ta gueule, relève-toi avant de parler. T'inquiète pas, Bobby, on va se retrouver très vite, très fort. Eh, j'ai pas peur de toi, gros. Mais t'as pas peur, déjà, va mieux de la voix avant de me parler, d'accord? Eh, là, c'est vraiment le truc de trop. Bachir. Eh, là, c'est le truc de trop. On m'a jamais insulté sur ma voix comme ça. On m'a jamais insulté comme ça sur ma voix. Écoute-moi, Bobby. Ouais. Toi maintenant, il m'a dit que toi t'étais une salope. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Viens, venez, vas-y. Eh, moi, c'est mon histoire, elle est avec Jordan, ça veut dire... Non, c'est pas ça, c'est que lui, il m'a dit comme quoi, apparemment, t'étais le meilleur des boxeurs ou je sais pas quoi. Qui, moi? Eh, Bobby. Mais moi, frérot, je l'encule, Jordan. Mais vas-y, montre-lui. Mais on est bien d'accord que t'as rien contre moi. Contre toi? Non, j'ai rien contre toi. Eh, heureusement pour toi, j'ai rien contre toi, d'ailleurs. Mais tu m'as dit, le... Voilà, Bobby. Oh! Quoi? Petite merde? T'as dit quoi? Espèce de petite merde! Laisse Bobby tranquille! Oh! Oh, wesh! Laisse Bobby! Putain, Bobby, ça va? Et le mec en rouge, il est grave en train de te défendre, c'est un bon! Mais les gars, en fait, je m'étais trop battu! Ah, ça va mieux! Ça va, c'est au top! Ça va mieux! Ah, les gars, faut aller se coucher! Eh, on va trouver des trucs à faire ce soir, je vous le dis! Il est minuit 40, je vais pas me coucher maintenant, moi! Eh, moi, je vais me battre, moi! Eh, j'ai des comptes à régler, moi! Eh, vas-y, ton coup, tu m'as mis un coup en trade, putain! Ah, t'as aimé ou pas? En fait, moi, Jordan, j'ai remarqué un truc vraiment, la bagarre, ça rapproche! Moi, j'ai réglé mes comptes avec toi! Maintenant, je sens que tous les deux on peut se faire confiance parce que on a été honnête. J'ai été honnête envers toi, t'as été honnête envers moi. On a réglé nos comptes. Maintenant ça va mieux. Vas-y, c'est carré. Vas-y, ok. Vas-y, bah, tu me retardes plus par traite alors. Je te fais confiance, Bobby. On se battra que dans les règles de l'art. J'ai vu des trucs sur les réseaux. Ah oui. Eh, il est frais de ouf le pyjama. Ouais, il est pas mal. Hein. Mais pourquoi tu veux me prendre en photo en pyjama? Attends, vas-y. Non, enlève ton pyjama justement. Vas-y, regarde ici là. Vas-y. Regarde vers moi. On est beau gosse. Je la poste, ok. Vas-y. Eh, on est beau gosse de haut sur la photo. Ouais, moi et mon bouffon qui me sert de coloc de chambre, il pue de la gueule, ce gars, c'est une infection. Si quelqu'un veut changer de chambre, je le paye 200$. Wesh. Attends. Josh, c'est quoi ce poste? Je me suis fait hacker. C'est quoi ce poste? Vas-y, réglez-vous. Comment ça, réglez-vous. Tu t'es fait hacker? Mais arrête de mentir, je viens de te voir le poster. C'est pour me créer une réputation, tu vois. Donc, pour créer. Attends, pour créer une réputation. Bobby, vas-y, moi je te donne ma chambre. Comme ça, je reste avec Josh. Eh, vous êtes bizarres, vous deux. Vas-y, moi ça m'arrange. C'est quoi ta chambre? C'est la chambre numéro 7. Tu peux y aller, régale-toi. Vas-y, bah, je vous laisse ma chambre. Mais j'étais en train de te prendre en photo. Oh, la nouvelle génération que sur son téléphone. J'ai des photos. Ouais. Je vais la mettre sur Instagram. Friendzone? Non, c'est pas Friendzone. Eh, t'es de retour, toi? Tout le monde à terre. Dépêche-toi! Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bobby! Qu'est-ce qui se passe? Par terre! Fermez-la, toi là-bas, avec ton bandeau, par terre! Ouais, pardon! Qu'est-ce qui se passe? La Hakoma, jette la Hakoma! Debout, viens avec nous! Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi! Allez où ta chambre? Monte ta chambre! C'est la chambre 7! C'est la chambre numéro 7! Maintenant, dépêche-toi! C'est la chambre numéro 7! Désolé! Le numéro combien? 7, c'est celle-là! 7! Ouvre la porte! J'ouvre la porte! Qu'est-ce qui se passe? Les mains en l'air! Attention, pas de vite à droite! C'est bon!
Contre le mur, contre le mur. C'est ton placard, ça? C'est mon placard, ouais. Rien de suspect là-dedans? Mais, monsieur, en fait... Non, tu réponds aux questions. Bah... Tu planques des armes là-dedans. Non, y a pas d'armes, non, mais y a aucune arme, y a rien du tout. Monsieur, j'ai échangé de chambre. Comme par hasard, j'ai échangé de chambre pendant la nuit, là, cette nuit. Non, ah, comme par hasard. Mais moi, j'étais dans la chambre numéro 4, et maintenant, je suis dans celle-là. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un message sur les réseaux et... Monte tes papiers. Ouais, c'est celle-là, ma chambre. La ferme, la ferme. Rien. Et quels sont mais vous me dégoûtez, gamin de merde. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe pour que... C'est nous qui posons les questions. Et sur ton PC, on va trouver quoi? Du porno? C'est le PC de notre chambre à nous deux, donc je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, mais les gars, mais je me pète les ponts. On me bisute dans cette école. Je suis bisuté. J'en peux plus. Mais j'en peux plus. Moi, j'en peux plus. Je suis bisuté, putain. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais bonjour, monsieur le concierge. Mais j'ai rien fait. Je comprends pas ce qui se passe. On m'a braqué des armes. On m'a bloqué dans cette chambre. Je comprends pas. Bobby, ne dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Je sais. C'est pas toi le criminel. Je le sais au fond de moi. C'est quelqu'un. Mais il pense que c'est moi le criminel, là? Ça va aller. Dis la vérité, c'est tout. Désolé, je... Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Qu'est-ce que vous faites là? Je fais mon boulot, je nettoie. Monsieur Bobby. Comment ça va, le mec qui tabasse des élèves? Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Vous venez dire de quoi? Vous voulez quoi, monsieur Bobby? Finir en prison avec nous? Vous allez vraiment faire l'innocent? L'innocent de quoi? On ne manque pas de respect au commissaire, vous comprenez, monsieur Bobby? Alors avant de vouloir me prendre de haut, on va vous faire manger le radiateur, d'accord? Et vous allez le manger de A à Z, hein? C'est la police, vous comprenez? Ici. Si jamais tu répètes une seule fois que j'ai tapé quelqu'un, fais attention, Bobby, d'accord? Je vais pas te dire la suite, mais tu la connais. Est-ce que je peux comprendre ce qui se passe? Ouais, tu sais très bien ce que t'as fait, hein, avec monsieur Wilson, ton prof. On aura des preuves, t'inquiète pas. J'en ai aucune idée, bah j'ai hâte de voir les preuves. C'est trop, c'est une dinguerie, frère. Ça vient de me tabasser. On me braque une arme sur WAM. C'est... Ça fait quoi, les gars? Wesh. Ils ont arrêté le proviseur. Ils ont arrêté le proviseur? Regarde ton Life Invader, regarde ce qu'Amine il a posté. Arrête. Amine qui a publié ce leak. C'est moi, Amine, je me sacrifie pour vous, les élèves, je suis responsable de ce leak. Voici ce qu'a fait le directeur. Mais wesh, comment il a trouvé ça, Amine? Le directeur en flagrant délit. Oh! Moi, je balance. Bah ouais. J'avais pas de téléphone dans mon téléphone. Amine, t'étais où là? Putain, j'étais merde, en haut, j'étais en train de fumer Yellow. Bon, est-ce qu'on reporte l'appareil ma partie à demain? Quoi? J'étais en train de fumer la bonne jaune, de la bonne Yellow. Non. C'est pas ce que t'as dit. C'est un gros mytho, Amine. Je fumais de la bonne Yellow, vous voyez pas c'est quoi la bonne Yellow? T'as fumé de la bonne Yellow, t'as fumé une bonne Yellow en particulier. Quoi? Mais elle a jamais dit quoi? T'as dit quoi là? Quoi? C'est hyper grave! Ce que tu viens de dire par contre! Mais. Non mais t'étais en haut vraiment? T'étais pas allé dehors toi? Bah. Non, j'étais. Si, j'étais dehors tout à l'heure. Mais du coup, je suis arrivé, j'ai pas vu ce qui s'était passé avec. Il a bêché. Mais attends, mais il est enfermé dehors? Mais je savais. Mais qu'est-ce qu'il fout dehors? Mais pourquoi c'est rien? Eh, mais on peut sortir! J'arrivais. Ça va? Oh là, j'ai failli mourir. C'est qui lui? Mais ouais, c'est qui lui? Oh, ça fait du bien de respirer, putain. La police, ouais, ils ont embarqué. Et ils t'ont emmené où? Ils ont dit j'ai pas le papier. Et dehors, il se passe des trucs chelous, les gars. Dormir. Voilà, les amis. Vous êtes dans votre lit. C'est parti. Moi, je vais vous laisser là, les gars.